Le port d'attelle d'abduction des pieds est la dernière étape du traitement du pied bot, selon la méthode Ponseti. Il existe différents types d'attelles d'abduction, comme l'attelle d'Iowa et celle de Miracle Feet. Dans cette vidéo, nous démontrons le port de l'attelle de Steambeak. Une fois que les pieds d'un enfant ont été corrigés par le plâtrage et la ténotomie, le prochain traitement consiste à maintenir les pieds dans la position corrigée à l'aide d'une attelle. Sans cela, le pied bot peut facilement récidiver. Lorsque nous enlevons le plâtre, après la ténotomie, nous plaçons l'attelle d'abduction du pied pour 3 mois, sans interruption. Les parents peuvent enlever l'attelle pour baigner le bébé, mais ensuite, elle doit être gardée en permanence. La barre métallique est placée dans un angle spécifique car nous devons maintenir le pied dans une position normale qui est de 70 degrés d'abduction et 15 degrés de dorsiflexion. Même si les pieds de cet enfant ont l'air soignés, ils ne garderont la bonne position à vie uniquement si la période du port des attelles est respectée. Même si un seul pied est touché, les attelles doivent être portées aux deux pieds. Il est très important de mettre l'attelle correctement et que l'enfant la porte comme prescrit. Cette barre métallique nous assure que le pied est maintenu dans la position normale. Vous n'êtes pas autorisé à ajuster la barre car elle est fixée par le technicien orthopédique qui est un professionnel de la fabrication d'appareils anti-déformation. Pour bien mettre en place l'attelle, les pieds doivent être propres et secs. Ensuite, ouvrez complètement la chaussure. Mettez le pied le plus difficile dans l'attelle d'abord. Le genou fléchi, pliez doucement le pied vers le haut, au niveau de la cheville. Maintenez le pied dans cette position. Pliez le genou et poussez le talon du pied en premier dans l'attelle. Fermez la languette et nouez les lacets. Vérifiez par le trou d'inspection que le talon est bien descendu. Faites la même chose avec le deuxième pied. Vérifiez à nouveau par les trous d'inspection que les deux talons sont bien descendus. Il est essentiel que l'enfant porte l'attelle 23 heures par jour pendant les 3 premiers mois, puis au moins 12 heures par nuit et pendant ses siestes jusqu'à l'âge de 5 ans. Les enfants doivent retourner à la clinique pour un contrôle 1 à 2 semaines après la pose de leur première attelle et pour une révision environ 4 à 6 semaines plus tard. Les rendez-vous de suivi ont lieu tous les 3 mois jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans, et ensuite tous les 6 mois jusqu'à l'âge de 5 ans. L'enfant doit également se rendre à la clinique s'il a des problèmes tels que des chaussures trop petites ou des frottements. Nous disons aux parents que s'ils éprouvent des difficultés à mettre l'attelle seule, ils doivent se faire aider. Nous devons leur apprendre à bien les utiliser car la déformation pourrait revenir. Nous devons donc assurer un suivi. Et il est également important que nous leur donnions des rendez-vous pour qu'ils se sentent soutenus. Le succès du port d'attelle dépend en grande partie des parents ou principaux responsables. Ils doivent s'assurer du bon port des attelles par leur enfant et aux horaires prescrits, même si l'enfant est mal à l'aise. Nous apprenons aux parents comment mettre les attelles à leurs enfants pendant la journée et la nuit, même lorsqu'ils voyagent dans le bus, afin que la malformation guérisse complètement. Chaque année, des milliers d'enfants sont soignés du pied bot avec succès. En suivant les procédures correctement, ils peuvent tous vivre une vie normale.